Ok, dans ce prochain tuto, nous allons voir comment on change la photo de profil. Tout d'abord, vous cliquez sur Membres. Cliquez sur Membres qui est juste à côté du blog et activités. À côté de nos propos, vous cliquez sur Membres. Et après avoir cliqué sur Membres, vous attendez, ça charge un peu. Juste, voilà, dès que ça charge, vous venez, vous allez voir Membres récents. Vous allez voir justement votre nom que vous avez pris pour vous connecter. Pour ceux qui n'ont pas de photos, il n'y aura pas de photos. Vous allez voir juste votre nom. Vous cliquez sur le votre nom ou bien vous cliquez sur le cadre où il n'y a pas de photos. Donc, vous allez voir la première minute, c'est vous avec votre nom que vous avez pour vous connecter. Vous attendez juste un peu le temps que la connexion accélère. Bon, moi, je parle d'une connexion aussi rapide. C'est pour ça, vous voyez, c'est un peu lent. Mais je sais qu'à votre niveau, ça sera encore plus mieux. Alors que le temps que ça charge, voilà, vous vous retrouvez sur cette page. Ici, vous verrez quand vous descendez, vous verrez activité, profil, notification, message, amis, groupe, forum, droite, événement, document, réglage. Et le plus important pour vous, c'est ce profil. Parce que c'est profil, on peut changer les photos du profil et le nom. Vous cliquez sur profil. Donc, comme je disais, il y a ici, vous pouvez mettre note. Note, vous pouvez mettre une note. Mais bon, donc on a cliqué sur profil en attendant. Ok, ça charge. Voilà, vous vous retrouvez avec profil. Pour ceux qui ne vont pas jusqu'en bas, ils ne pourront pas voir. Si vous vous limitez à ici, comme ça, vous ne pouvez pas voir le changement. Descendez encore. Vous allez voir base. Descendez. Vous allez voir ici. Vous venez ici où il y a afficher, modifier. Vous venez sur modifier la photo de profil. Il y a modifier l'en-tête, modifier la photo de profil. C'est ce qui vous intéresse. Vous pouvez modifier l'en-tête, mais généralement c'est modifier la photo de profil. L'en-tête, c'est la photo de couverture, mais bon, le plus important, c'est la photo de profil. Vous pouvez aussi modifier votre nom, bien sûr. En cliquant juste à côté d'afficher, il y a modifier. Cela modifie votre nom. Vous venez, vous attendez un peu. Ok, vous descendez, ne vous arrêtez pas là. Quand vous arrêtez là, vous n'allez pas voir. Vous descendez encore, continuez à descendre. Vous allez voir, cette fois-ci, si au lieu de modifier vos photos de profil, vous allez lui changer la photo de profil. Et là, vous cliquez sur sélectionner un fichier. Vous sélectionnez le fichier, que ce soit avec votre téléphone, ici, Android, vous accédez à la bibliothèque. Ok. Mais malheureusement, je suis un peu sorti. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on revient. Je suis un peu sorti. Ok.